Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 24 novembre. Nous avons tous appris auprès du gouvernement que les consultations vont devoir s'arrêter. Donc, le président de la République a décidé qu'il en a déjà entendu beaucoup et qu'il est maintenant temps de donner son point de vue sur ces consultations. Donc l'actualité est prédominée par cette histoire-là. Et puis, donc, dans ce numéro d'aujourd'hui, nous essayons, comme je vous avais dit hier, nous passons sur le fait. Nous attendons vraiment avec beaucoup d'impatience, communication du président de la République qui, nous espérons, va répondre aux questions que beaucoup de monde se pose aujourd'hui. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de faits. Toujours tout aux alentours de cette consultation. Le fait de notre constitution plutôt. Nous allons parler de faits sur l'état des droits. Est-ce que l'état des droits que nous prenons, lorsque nous prenons l'état des droits, est-ce que nous respectons ces droits-là? Est-ce que nous montrons les signes pour respecter ces droits-là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'état des droits? Je vais vous évoquer certains petits faits et je vous dirai pourquoi est-ce que nous pensons toujours, parce que magazine ou bien émission ici, nous donnons des solutions. Nous nous disons, si ceci est fait, voici les faits qui sont là. Nous pensons que ça doit être comme ceci. C'est à vous maintenant de voir que la solution que nous apportons peut-il être applicable ou non. C'est un sujet à débat. Je dis ici que je ne suis pas la personne qui a la parole qui est de l'évangile, non. Nous tous, nous sommes en train de réfléchir pour que nous puissions avoir une solution à la sortie de cette crise que vit notre pays. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît sur Internet et nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. On commence par élection.net. Une attaque de miliciens Mai Mai repoussée par l'armée à Ouicha. Et puis, affaire passeport, la FBN Bank pour réceptionner les produits des taxes sur la délivrance des passeports. Actualité CD, la NGT des consultations du chef de l'État mérite l'appui des Congolais car elle vise entre autres l'avenir de la jeunesse. Et puis Goma, un autre changeur de monnaie tué par balle. On va sur Congo profond. Les élus du Nord qui vous inquiètent, nous ne savons pas encore ce qui peut arriver en cas de rupture FCC cash. Et puis le problème des assemblées provinciales soumis à Félix Tshisekedi. On va aller sur 7 sur 7. Kinshasa, une nouvelle fosse commune découverte en Sélé, non loin de mausolée Étienne Tshisekedi. Sud Kivu, le mouvement Caméra Libre demande à Tshisekedi d'annuler l'émission de PD, dont Bitakwira est à l'Est. On termine par Radio Okapi. Lutte contre COVID-19 à Kananga, l'UNICEF remet un lot d'entrants aux écoles. Et puis Kouilou, les salaires de 87 enseignants ici de 7 écoles de Gungu retirés par les inconnus. Merci. On se revoit demain dans un nouveau. Voilà. Donc, merci en tout cas encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons discuter sur le fait donc, qui ce sont des scandales parce que nous disons que l'état des droits. Et ça est à mon cobiso, nous sommes tous faut respecter le droit en abisso. Bandeko, la Cour constitutionnelle, l'organe, l'instance le plus haut, avait rendu des arrêts qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais été appliqués. Tout ça, comment on a dénigé arrêt à Cour constitutionnelle, et ça bafoué. L'exemple que nous allons développer dans cette émission, c'est l'exemple typique du Congo central, où le gouverneur est déjà sous
cette sanction de la Cour constitutionnelle, mais l'arrêt n'a jamais... On fait fi. Donc, les histoires continuent à se passer comme rien n'était. Donc, la crise qui est là, peut-on vraiment dire que non? Tout ça, c'est l'état de droit libre. Le gouvernement actuel, je pense que Bangonyo surtout basé la vision à établir l'état de droit, il y a qu'au bête à cette nalicamango. Bon, bien sûr que et le Kwangonde Mutesa Kolaxabiso que non, ce n'est pas le président de la République. Donc, la constitution n'a besoin de tout ça Kolandate, mais ça ba boyokani abatumoko balobi. Bon, ok, toyokani poto to diriger Moka Oyo. Voici le plan, voici nos limites. Voici là où nous allons faire, voici. Donc, Bangomoko, c'est pour cela qu'on s'est dit que non, il y a eu un accord. Donc, accord wana entre les deux groupes, FCC na Cash Ndengezali, et ça, c'est la fin de la constitution d'Abisso. Parce que c'est inconcevable, par exemple, cour constitutionnelle, et tiens, barré, mon cobo, et si Kobisso, to respecter barré wanate. Pourtant la constitution dit que les arrêts de la cour constitutionnelle sont exécutables. Donc ceux qui basiva lobby est loco et si liwana mais arrêt wanezana mesa personne ne se précipite pour l'exécution de cet arrêt là. Wanezana fait mon kobiso tozo monake et koki toi on continue boité na malikamu oyo ya barré oyo ezano Ezako zwa ba solution te. Ça c'est un premier fait. Deuxième fait, ezali bandeko. Tozo zwa ba banani ba décision na biso sans avoir réfléchi. À la tête de notre pays, yangwana na zolo banobi que les amis de Félix, les amis qui supportent Félix Tshisekedi. Président Azana Mutema Malamu Aza bien Aza président Moko Congolais tout ça mais nous sommes en train de bâtir le pays des photos bâtir Nango nous ne pouvons pas commencer à dire que non bon on a ressenti la bino par exemple ce que je vis quand il intervenait dans ma cambo à ses copains par exemple à Koutanina Batouana ba gréviste à l'obibo l'obibo ya nanani na bino na ngai na kotala makambo suivi na ngoza wapi sikoyo et l'autre côté na invité soki bino pe aussi boyo ki suivi a bino kwana ou bien bazo zela parce que balobaki ba kotia ba investigation. Moi je crois que au lieu de s'atteler à des petits problèmes au fait de qui surgissent par ici par là, nous devions nous atteler à réfléchir mabe ezako uta wapi. Bandeko, pona koto ngamboka eza sura eloko moko baguette magique te. Et je crois que mutu oya ko satele na koto ngamboka, c'est celui-là qui aura la même mise ya ko dirige mboka na biso. Koto ngamboka, c'est-à-dire que il faut to réfléchir nini yangozo kusala ke to komi na ba situation oyo. Nous devons avoir une solution moko globale. Il faut que tozala to yeba to lobi ba principe nini o il faut to mettre en application pour que justice ezala appliquer, pour que ba enseignement ke zonga na rai nango ba principe nini lelo tozana likambo a passeport. Nous disons to utika na so to lamu ki no passeport ozala no na frère parce que
Ozomo na babilo kwezan ezane tibas basende ezako bima koto to lingito sala ngo e msufu ko bima koto to lingito sala likamango tozana maîtrise amboka na biso te ba geiger o tozana ngo FCC kasho babilo konyoso. Nous devons savoir que biso nous se photos à la congolais mais to réfléchir mabe ezako uta wapi ba origine eza wapi lobi na FCC kibino na lobi ba origine ya ba conflit oyo ezo utaka na constitution article 69 soki to bongisi article wana soki to total ndenge ya kobongisa article wana eko mettre fin na ba discussion ya pamba pamba parce que lelo bato oyo baza koloba makambu oyo ezako pe sa premier ministre pouvoir selon constitution soko tangi babino moko boyebi. Moi je ne vais pas donner mon opinion là-dessus. Mais moi je vous dis que c'est là où se trouve le nœud du problème. Et ça, article wana. Si quoi, passons maintenant. Na yamana zo lobi, président de la République lelo oyo. Pour que mandat na ezala une bonne réussite, il faut qu'il réfléchisse avec une solution globale nyo sur mboka. Tozana makambo ya yanani ya ya mikanda d'abord ya nationalité zali wana tozana makambo ya guerre tozana ma il faut bobo osololi j'espère que osolola ki na batu eloko linga ko yo ke pa na batu selon moi c'est que batu wana ba se plaindre pourquoi qu'est-ce qui se passe et que je pense que ils vous ont donné la solution bien que esa consultation yo za déjà na position na yo oyo otio lobi bonga na kokene na sens oyo na consulter na nous batu tant on a repensa na repensa nani point de vue na ngai et rejoindre batu nyoso tout na kati ya consulter nani ya point de vue na ngai na c'est pour cela que na banzi que tant on lobi union sacrée pour le pays je crois que batu nyoso na idée oyo ko pesa ozo senga batu nyoso tout ba ya ko se rallier na union wana nyoso sans toutefois savoir que président de la République otika mutulibanda te. Il faudrait que tout le monde, pour que projet OSE réussisse, il faut que le projet moko réussisse et réfléchi, ou ko inclure batu nyoso tout na kati ya idéologie wana, ou batu nyoso tout ba koyeba ezako résoudre ba problème de base ou ezako causer crise à lelo. Ce qui est éloigné de l'éloque, donc personne ne viendra. Parce que, ou bien, au cause de la soupe, parti mon quoi, tu peux pas te battre, tu as concerné. Nous n'avons pas besoin de ces guerres pour la réussite de notre pays. Nous ne pouvons pas avoir ma bicéphalée, donc payer à la diriger, à battre, à tout le monde. Non, Bino Bossala qui est la constitution. Biso pe photo sale la constitution et comme une ti revanche comme ka barando na barando ça nango na avancer pays na eloko mon côté et puis moi je me dis si nous avions si le président le leader PES a lutté pendant 37 ans pour que l'état de droit ezala ou le peuple d'abord ezala quelle est la définition de cet état de droit quelle est la définition de cette bazo comprendre ndenge ni bazolo ba le peuple d'abord. Qu'ils nous disent cette définition, parce que jusqu'aujourd'hui, surtout il y a une des personnes qui sont au lobby, mais tant aux autres, le peuple d'abord, ça veut dire quoi? Pratiquement, moi, que si on fait ça, oh, il faudrait que le peuple puisse être dirigeant. Bah, peuple, oh, bah, humanité, ça n'a pas de sens. C'est là où je me dis que le président de la République actuelle doit penser que, à tia réflexion, naïe, à mingi, na kobongisa nanu mboka ya koloba ke non totika nanu ba geiger o ya kote. Quelles sont les prérogatives aujourd'hui qui peuvent me donner la possibilité ya ko remettre mboka de façon que batu nyoso tout si c'est l'état de droit on commence par où on commence par un état état na biso po ezala boye il faut to comme to bandana nanu to tuna nanu nanu batu bazana ni quels sont qui sont ces congolais. Baza combien? Baza la kawapi? Baza la ka dirige nengenini pour que to corrige. Et lo koni ne simba kiti. C'est là où il faut aller dans le commencement. Parce que aujourd'hui, to kowe la nini bande. So ki to tie ba base solide, ou ba base a bien réflexion, ke mbo kanabiso e fwe kende boye. Sa to longo la babilo konyo so o e sala deja na mitu nabiso. Mettons ça de côté pour remettre le pays justement dans la raye à développement. C'est-à-dire que
pays à la quantité de la richesse naturelle à pays et à la canabango. Comment nous allons diriger, comment la fonction publique va commencer à fonctionner dans une nouvelle république normale où le peuple va se retrouver. C'est là le problème. Place où on a des problèmes, les alliés. Ce qui to zangi koyoka ou bien l'andabilo koala, nous aurons tapé vraiment à côté. Donc on tapait à côté. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucun droit à l'erreur. C'est-à-dire que Makamounyo so otozo sala, il faut que nous n'ayons une solution durable à Congo. Et à la télé, par exemple, résoudre ces problèmes à ses copains. Mais tu n'as pas résolu l'ensemble du pays. Tu n'as pas résolu l'ensemble des gens qui sont à Bakwanga. Batou Bazana Kasumbalesa. Batou Bazana Aru. Nous devons remettre le Congolais au travail. Congolais, ce qui a zongi Moussala, ce qui Congolais a su responsabilité, il a commis l'Eissa. C'est là le problème qui guette notre pays. Aujourd'hui, si tu as dit, bon, tu as dit que Congolais n'a pas été Moussala. Aujourd'hui, nous tenons sur toi, on va foutre à Kabisote, on va foutre à Kabisote. Le fait, c'est quoi, Bandeko? Posons-nous la question. Salaire, oyo, nazo kozwa, et où ta kawap? Na salaire, la na koti saka combien na République pour ba pe sangai salaire na ngai? Le Congolais doit avoir. Il faut aller ba loko ni nangwa koti saka. Ba to ba zara kaka, oh non, numéro matricule nanga kaka, mbongwa l'état, na komi koli mbongwa l'état. Bandeko, moi je vis Mandela ici dénier ses frères à l'obité. Ata bokenda ki na exil, tango bokoya awa, il faut bo sala musala. Na kopé sabino banda ko felete, babiloko enseignement au felé, ça ne nous avance à rien. Tant que Congolais azo sala musala te, oh, nazwa mbongo fele, enseignement au fele, ça avance à quoi? Où est-ce que vous avez vu que l'enseignement est au fele? Réfléchir pour que tous allons à Mboka ou à Koloba. Mboka, tous au produire boe, et zo kende boe. Nambongo, tous au mona, tous huit mbongo et belé. Nous pouvons par exemple dire maintenant, ok, communication qu'aux ala offélé, enseignement qu'aux ala offélé, parce que nous avons l'argent aujourd'hui. Mais Mboka n'a plus ce zan na situation, Mboka ou Mboka et zate. Il n'y a pas un état, et zan à côté Moussousou. Dans le bata 45 ou 50% étendue, il y a la République démocratique du Congo où l'État n'existe pas. Rétablissons d'abord cet État. Tout établir dans le Mboka, tout y va maîtriser le Mboka Nabiso. Tu produis ça combien? Tout ça. Et puis là, on a un Mboka qui est. Et ça, c'est le Kamboya, le loté, tout l'obité, et ça, le Kamboya, Kobanda, pour réfléchir. Par où nous allons commencer? Pour que n'a pas sa solution avant que n'a s'il ça. Émission nanga o na lobi bo toko bandela wapi toko banda justement na mobeko likonzi
C'est là où aujourd'hui nous devons nous dire que non. Ndenge bo dirija kakuna tobanda ko déploré biloko boye ABCD. Biso tomoni ke na liboko na 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 mobeko li konziwana pour que le peuple ça s'adapte, pour que le peuple se reconnaisse. Voici ndenge nini toko sala ma oyo na en connaissance à passer ndenge nini toko kende liboso. Ba tunyoso tout ovandi tolobi OK. En tout cas, ici, je me retrouverai. Congolais, oyo, azana mbandaka, ako se retrouver na kati ya mubeko, oyo. Congolais, oyo, azana ubangi. Congolais, oyo, azana Congo central, ako zala ko se retrouver. Que tous les Congolais se retrouvent dans tout ce qui sera érigé comme loi. Voilà un peu ce que j'avais à dire pour que na meli meli, oyo, toza ko zela, président de la République, ape sa biso, point de vue na ye ya ba consultation. En tout cas, merci encore une fois de plus à tous ceux qui sont en train de s'abonner. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, ne manquez pas de vous abonner et laissez, si vous avez aimé, un petit like. Le professionnalisme, c'est l'incapacité de beaucoup de bassesses. La bassesse est bel et bien présente dans les actions comme les réactions du politiquement correct. Voilà l'avantage de la démocratie. Eh bien, c'est de se reconnaître divisé. D'une part, on apporte ses accords, de l'autre côté, on apporte ses désaccords. Justement pour engendrer, c'est quelque chose plutôt que rien, la démagogie.